tout en être. Petit record. Très cher. Petit reporting en live là. Exactement, le petit reporting. Bravo. Ah, ça va le faire, ça, la météo se dégage. On rentre au ciel bleu là-bas. Ouais, un petit carré de ciel bleu là-bas, faut pas le rater. On y va en tout cas. Il est vers mars. Donc je suis parti sur le T4M, l'Ultra Trail et 4 massifs de Grenoble. Donc le Vercors, j'y suis en plein dedans. Ensuite, le Taillefer. Belle donne, la chaîne de Belle donne. Et puis pour finir, la Chartreuse. Tout ça pour faire un total 170 km et 11 000 mètres de dénivelé. Donc là, on vient de passer une Moucherotte. On va arriver sur. On va arriver sur l'Anse-Vercors quoi. Avant d'affronter le Pic Saint-Michel. Pour le moment, c'est bien cool. On va esquiver les gouttes d'eau, la pluie, tout va bien. J'espère que cette nuit, ça devrait aller. Bon, c'est parti un petit peu fort. On va être dixième. Là, ça va le faire. Ouais, oh, si, on m'a dit dixième à Saint-Dizier. Ouais. Ah ouais. Ça va pas du tout. Bon, on va espérer viser le moins de 30 heures. Mais avec des chemins comme ça, bien boueux, ça risque de compliquer la tâche. Surtout à descendre du col de l'Arc. Alors, depuis tout à l'heure, vous allez voir que je double pas mal de monde. Je vais vous demander pourquoi. Bien, tout simplement, le T4M a fait le choix pour ne pas modifier ses barrières horaires, faire un départ par vague, ordre inverse de niveau. Donc, les plus forts en dernier, eh ben, on rattrape du monde. Je pense que j'ai déjà fini de doubler la deuxième vague, et je vais pas tarder à rattraper la première vague, qui sont partis 40 minutes avant nous. On va attaquer la montée du Pic Saint-Michel sous la pluie. Allez. Voilà, le Pic Saint-Michel. Allez, c'est parti pour la descente jusqu'à Vars. Alors, on vient de passer le col de l'Arc. Et là, on va descendre dans le trou Saint-Paul-de-Vars, puis Vif, derrière. Voilà. Sacré descente qui nous attend.
Ah, il est bien beau. Vivement qu'on quitte le Vercors pour passer sur un massif granit. Parce que le calcaire mouillé, ça glisse comme pas possible. Voilà, c'est parti pour la petite descente pour arriver sur Vif, la première basse vie qui donne fin au Vercors. J'aurais mis à peu 6 heures tout rond pour faire cette première partie du Vercors. Le fameux lac de la Frée. En journée, ça va être joli, hein, ce petit passage au bord de l'eau. Après 15 heures de course, enfin le premier rayon de soleil. Voilà le plateau des lacs. Le fourchu là-bas derrière. Voilà le sublime lac noir. Voilà, je suis seul face à ces paysages. La fameuse longue descente et interminable descente qui va jusqu'à Rio Pérou dans la boue. Ça va pas être facile. Voilà. Et après, on va monter.
même pas vu le lac de Sistre. Thank you.